Salut l'internaute! vidéos produites en un peu plus d'un an, cumulant plus d'un million de minutes de visionnage sur ma chaîne YouTube J'ai mes choses à te dire par des milliers d'internautes. Merci. D'ailleurs, pour être tout à fait transparent avec toi, hein, sur cette même période et tout ce travail acharné, ben je me suis quelque peu enrichi, hein, grâce à toi, enfin je veux dire, grâce à YouTube et la publicité placée avant mes vidéos. Tout ça, la fameuse YouTube Money m'a fait gagner une coquette somme 75,29€. Bon, quelque part, ramener ce salaire à l'heure de travail, je pense que je bats littéralement, mais de manière énorme, tous les baromètres de compétitivité internationaux, même les Allemands sont plus chers. Appelez tout de suite Gattaz et Macron, on a trouvé la solution les mecs. Que tout le monde devienne YouTuber. D'ailleurs, ça veut dire quoi? Le nom là, il est con ce nom, YouTuber. C'est artisan, artiste, vidéaste, comédien, auteur, monteur, réalisateur, tout ça ok. Mais YouTuber, ça veut rien dire. Les gens qui font les mêmes métiers mais à la télévision, on les appelle pas des téléviseurs. Non. C'est marrant, hein, mais non. Enfin bref, tout ça pour te dire que j'ai reçu tous tes messages, chers internautes, et que voici la toute bête la raison de la baisse de la fréquence récente de mes publications vidéo sur YouTube. C'est tout simple en fait, en ce moment je consacre un peu plus de temps à des projets vidéo rémunérateurs, pour tout bêtement manger. J'ai faim. Régulièrement. Ah, c'est chiant. Bah oui, c'était soit ça, soit retourner bosser 35 heures dans un job pourri, ou avant même d'atteindre la fin du premier mois, sauter les deux pieds joints dans le plat des injustices qui flinguent tout le monde dans l'entreprise, tenter d'organiser la lutte pour des changements justes que tout le monde désire, et finir par abandonner et me barrer, après m'être retrouvé une fois de plus seul à aller au front, les autres étant finalement paniqués à l'idée de perdre leur job qu'ils détestent. Je blague, hein, mais je comprends tout ça. N'empêche que j'ai décidé, là, pour une fois, de tenter l'aventure en solo et de créer ma boîte. Hein. Je crois que je me macronise un peu. Oh merde. Et blague à part, tout ça pour essayer un équilibre et avancer. Hein. Ça s'appelle 23h26productions.fr si tu es curieux. Bien sûr, je le répète, hein, ce ralentissement de mes publications YouTube, des vidéos, n'est que passager. J'aimerais, bien évidemment, y consacrer tout mon temps, ou du moins beaucoup, la majeure partie de mon temps. Mais c'est difficile, pour ne pas dire impossible, de bosser des heures, des jours entiers et ne gagner qu'une poignée de centimes. Bien que ce n'est pas du tout pour ça que je fais tout ça, malheureusement, chaque fin de mois me rappelle une réalité financière que je ne peux difficilement ignorer. Et ce, malgré ma sobriété heureuse. À un moment donné, bah, c'est sûr que ça marche. Et là, heureusement qu'il y ait sur Tipeee celles et ceux qui, chaque mois ou de temps en temps, me donnent de l'argent pour soutenir mon travail. Vous m'aidez énormément, sachez-le. Et en fait, c'est très simple. Plus vous serez nombreux à soutenir mon travail de manière régulière sur Tipeee, plus je pourrai consacrer de temps, de plus en plus de temps, au travail que je fournis et vous livre sur YouTube, ainsi qu'à mes engagements artistico-politico-citoyens. Les 3 prochaines semaines, il n'y aura pas de nouvelles vidéos sur la chaîne. Je prends une pause avant d'attaquer 2018 de front avec plein de nouveaux projets. Mais je pars loin, très loin même, pour aller me ressourcer et vivre certainement pas mal d'aventures qui vont m'inspirer tout un tas de choses. Je ne t'en dis pas plus pour l'instant. Bon, tu me demandes régulièrement de poster des stories sur Instagram, Snapchat, Twitter, enfin je sais plus si on peut le faire sur Twitter, pas Facebook, sur les réseaux sociaux, et je ne le fais jamais, j'y pense pas. Mais là, c'est peut-être l'occasion d'y penser. Alors suis-moi sur ces réseaux, hein, tu trouveras les liens dans la description de la vidéo, pour suivre un peu ces prochaines semaines hors YouTube, si jamais j'ai de la connexion. Je t'embrasse, vraiment, te remercie encore, prenez soin de vous tous, et je te dis à la prochaine. Ciao. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour être au courant, directement et en temps réel, de la prochaine mise à jour de la chaîne avec les prochaines vidéos.